Dans le pays de Montbéliard, on économise le pétrole avec des idées. Une application propose le concept de court voiturage. Pour 1 € seulement, les utilisateurs se font conduire n'importe où dans l'agglomération. Émilien Diaz et Rémi Poirot l'ont testé. Nous aussi à France 3, on a décidé de faire des économies de carburant. Alors on va tester cette nouvelle application de covoiturage pour rejoindre nos bureaux au centre-ville de Montbéliard. On est ici à Audincourt, à environ 5 km. Alors je viens de créer mon profil sur l'application et on va voir si un conducteur est disponible pour nous emmener. Je rentre le trajet que je souhaite effectuer dans l'application. Je vois que Valérie serait disponible pour nous prendre en covoiturage. On va lui faire la demande. Alors c'est avec vous qu'on a rendez-vous, c'est ça? Tout à fait. Donc comment ça va se passer? Vous allez à Grand Charmont, c'est ça? Je vais sur Grand Charmont, je rentre chez moi. Moi je suis sur mon compte, et ben je vais cliquer sur démarrer. Et ben on y va. C'est parti. Je trouve ça super sympa pour soutenir les gens qui n'ont pas forcément de voiture. Si tous les jours je prends quelqu'un le matin, quelqu'un le soir, ça peut me faire une soixantaine d'euros à la fin du mois, donc ça peut être sympa pour faire le plein. Bon ben Emilien, on arrive au Quick là, l'arrêt de bus est plus très loin, donc je vais vous déposer sur le parking si ça vous convient. Eh bien au revoir Valérie. Au revoir Emilien. À bientôt. Merci bientôt. À vous. La grosse nouveauté de cette application, c'est que le trajet en bus est gratuit. Une fois qu'on a payé 1 € pour notre trajet en covoiturage, on peut continuer gratuitement avec les bus du pays de Montbéliard pour arriver à destination. Le trajet de 10 minutes aura rapporté 2 € à Valérie. 1 € que nous avons payé et 1 € financé cette fois par l'agglomération à l'initiative du projet. Le conducteur qui prendra un passager recevra 2 € pour le voyage. S'il prend 3 passagers, il recevra 6 € à chaque fois qu'il va travailler, par exemple, à l'aller ou au retour. Et bien entendu, c'est autant de pollution en moins, c'est autant d'impact social important à prendre en compte. C'est un choix politique important, dans le bon sens du terme, de l'agglomération. Alors voilà, on est arrivé à France 3, on a parcouru 5 km, on a pris la voiture, le bus, tout ça pour 1 € et on a évidemment réduit notre consommation personnelle en carburant.